Diamond Docks. Our new home. Et bonjour à tous et à toutes, c'est l'équipe de 666 pour l'épisode 22 sur MG5 The Phantom Pain. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Oh non. Oh non. C'est un échec. Please select a mission. Unit dispatched. Unit dispatched. Please select a mission. Les contacts rapprochés. Mission accepted. Heading to Central Africa. Heading to Central Africa. Ouais, c'est bon, j'ai tout ce que je veux. Donc on va tester la nouvelle lunette, c'est un peu celle que j'attendais le plus, parce que je crois que c'est la meilleure lunette du jeu. J'ai pas vu de sniper avec d'autres lunettes en fait. Il n'y a plus la lunette de hyper efficace de Ground Zeroes. Même si là la lunette que j'avais était vachement efficace aussi. Mais celle de Ground Zeroes était vraiment vraiment efficace. Peut-être qu'elle y est encore, hein, mais que j'ai pas trouvé l'arme avec laquelle elle y est. Mais quand je vois... Ah, j'ai un peu regardé dans le guide, et ils m'ont fait réfléchir à un truc. Parce que je regardais un peu les ressources, etc. Et j'ai vu que la limite des ressources, c'était 200 000. Sachant que je suis tout le temps en rate de ressources. Et j'ai réfléchi à un point de détail. Quand j'aurai fini de faire ma base, je ne pourrais plus dépenser mes ressources et je pourrais les revendre. On parle de 200 000 fois 100, c'est 20 millions. Et ça, c'est pour les ressources les moins chères. Ok, donc le télémètre il déconne un peu parce que à partir de 100 mètres il capte plus la distance. C'est parce que je suis en mouvement, je sais pas. What? Mais il déconne le télémètre ou quoi? Ok. Mais non, arrête d'utiliser ça. Ah si! Alors en fait je viens de comprendre. Attendez, ouais. Et après je sais pas comment on fait. Je crois qu'il faut que je me lève, voilà. Tadam! Yeah. Bref, c'est rigolo hein. Bon je dois faire. Je dois aller où? Ici. Ok. Attends, pour aller ici, il faut que je passe par Munoko Nyayoka. Ok. Ah! Ça dépend du zoom. Quoique si je vais derrière, il voit pas. Ok. Alors cet ami, est-ce qu'il vaut le coup? Voilà, par exemple. Carrément! Donc je calcule la distance, 174 mètres. Et piou! Ah bah j'ai touché le bras qui était devant la tête, tu crois ça? Oh, il va s'endormir. Putain, c'est tellement rapide! Et du coup ils l'ont repéré qu'il dormait quoi. J'ai pas accès à l'échelle ici parce que si je pouvais tirer sur le mec pendant qu'il grimpait à l'échelle.
lui faire super mal avec ça. Ah oui, mais j'oublie à chaque fois que c'est le petit camp avant le gros camp. 48. Whatever. Quoi qui arrive vers le garde poste, le poste de garde? Une unité d'élite? J'ai pas peur des unités d'élite. Ça serait bien qu'on ait une réduction du coût des... Le jeu a quand même pas mal de fautes. Par exemple, affiner au lieu de raffiner. Et en fait au début je comprenais pas, mais c'est raffiné hein, parce qu'à certains endroits du jeu c'est écrit raffiné et à d'autres c'est écrit affiné. Oh putain, soldat blindé. Toi je te prends. De toute façon je vais prendre tout le monde, hein. C'est vrai que... Et plus j'endors d'ennemis, plus ils vont apprendre à se réveiller vite, regardez sur la carte. Là vous pouvez voir que, alors la nuit ils sont pas trop équipés pour, mais ils sont équipés en casque, ils ont des réflexes contre les Fulton, ils ont le pistolet c'est en cas d'attaque et les attaques à distance. Infiltration, il n'y a pas le symbole. Ah si, c'est la caméra je crois. Après tout dépend des zones du jeu, toutes les zones de jeu n'ont pas le... des ennemis qui ont le... les mêmes caractéristiques. Genre là ils checkent bien qu'il y ait personne et tout, au début du jeu ils le font pas. Oh merde, je suis dans la merde. Je vais pas avoir le temps de courir jusqu'à lui avant qu'il déclenche l'alerte. Putain de porte qui se ferme sur ma gueule. Ah, sniper, voyez. Parce que j'utilise trop mon sniper. 9? Genre sérieux? J'ai reçu tant de balles que ça? Oh, ils ont réussi à l'avoir les bâtards. Parce que j'ai quand même amélioré le truc pour qu'il soit plus résistant. Hein. Ah mais il y a un sniper aussi, je suis con. Et du coup ça les distrait. Ah, j'ai oublié de changer D-Dog. Ah mais peut-être que ça je peux me faire larguer un truc pour le changer en fait. Je l'avais jamais capturé cet avant-poste? Bizarre. Je suis passé ici pourtant, il y a deux épisodes. Je vais voir. Ah c'est bon, ça a été corrigé. C'est écrit raffiné avant, c'était écrit affiné. Ça a été corrigé. Bah ça se trouve le personnalisé, c'était... Parce qu'il y a une faute à un endroit, c'est écrit personnalisé au lieu de personnaliser. Je sais plus où. Il y a encore lui là-bas. Toi je t'aime pas, tu sais. Donc t'as pris bien cher. Voilà. Oh oui. Oh oui, maintenant t'es plus mortel. Regarde, t'as plus de visière pour t'empêcher d'avoir du sang dans les yeux, tu vois. T'es un bon chien. Après ils font des fosses comme ça, les mecs. C'est pas très sympathique. Certainement du matos là-dedans. Ah oui, mais en fait du matos. Ah, j'ai oublié de prendre les conteneurs. C'est très important. Parce que... Ah non, faut que ce soit affiné pour que je le vende. Là, regardez, par exemple. Je paye 10 000 le truc. Là, en ce moment, je m'en sers pour... Ça c'est métal précieux, je crois que je viens de prendre. Ouais, métal précieux x 500.
Voilà, je paye 10 000. Métal précieux x 500. Une fois que c'est raffiné, ça vaut 500 000. Voilà. Donc, c'est bien ce qu'il faut se dire, c'est que ça coûte cher sur le moment. Et là, en ce moment, je m'en sers pour développer ma base, donc ça me coûte cher tout court, parce que du coup, voilà, ça coûte cher de s'en servir pour faire ça. Parce que dans ce cas-là, je les revends pas. Mais quand j'aurai à les revendre, tous les conteneurs, je les récupérerai, et puis au fur et à mesure du temps, ils gagneront en valeur, en fait. Là, j'ai vraiment un problème de fuel, parce qu'en fait j'ai besoin de fuel pour faire toutes mes bases, contrairement aux autres bases qui ont besoin d'autres choses de temps en temps. Et c'est ça qui me roule un peu dans la farine. C'est marrant parce que je sais que je suis pas du tout à 500 mètres du marqueur. Hein. Oh putain! Les mecs n'en ont rien à faire de moi ou... On en parle? Voilà. Les mecs, on avait rien à faire de moi. Et c'est pas genre ils me voyaient pas, c'est genre ils m'ignoraient quoi. Bon, j'ai déjà cet animal. Sont 41 mètres, 190 mètres. Je crois que sa limite c'est 200 mètres en fait. Mais je suis sûr qu'il y a moyen de la mettre. Non ? Si, si. Regardez. Ah, je crois que j'ai D-Dog qui est à fond maintenant. Parce que là il l'a vu à plus de 120 mètres. C'est un bon chien ça. C'est un bon chien. Viens là. Bah oui, oui c'est un bon chien, il fait des efforts pour son patron. What? Des fois je comprends pas trop les vitesses de balles, là je l'ai raté. En fait les balles sont quasiment instantanées, c'est juste la descente de la balle. Bon, en même temps sur 100 mètres une balle ça va vite. Hein. Ça va vite, pas sur 100 mètres, mais... Oh, il va se réveiller. Merde, j'ai pas de chance. Tiens, regarde là-dessus. Il y a plein de ballons, c'est trop drôle. C'est pas très discret, mais c'est trop drôle. Du coup, ça augmente les chances qu'ils ratent leur coup et qu'ils... Ah, vous voyez ce que je veux dire? Qui tire en fait sur des petits ballons et que du coup ça, le mec continue à monter quand même quoi. Je dois faire quoi? C'est quoi l'objectif? Je dois déjà quitter la zone? Apparemment ouais. Bah, je vais récupérer le sniper et je vais foutre le camp. Hein.
Ma foi. J'attendais pas au coup du sniper en fait. Quand le. Qu'il me voit quand le silence se pète. En fait, je savais pas qu'il y avait sniper, mais je m'attendais pas à ce qu'il y ait un sniper. Et encore moins à ce qu'il puisse me voir. De toute façon, je savais qu'ils avaient pris des mesures contre la longue distance, mais quand même. Ok. Ah merde. Hey, il commence à avoir du matos les mecs, hein, la Marthe et tout. Allez, ça c'est un AK-74. Chien. Je peux pas te dire bon chien. Voilà. Comme ça je gratte des points. Et quand je serai à 100%, vous allez voir, je peux faire des trucs cool avec Guido. On va se faire un peu de fric. Voilà. Bim, 1 million. Hop. Je vais les mettre de côté. Enfin. Héroïsme plus 5000. Yes. J'ai monté D-Dog à fond. Rang B. Ouais, c'était une catastrophe. Non, c'était de l'espagnol. Ah, c'était un français. Il parlait français en tout cas. Bon, bref. Ah, mais du coup, je vois pas tout ce que j'ai eu comme ça. Bah ça va, j'en ai pris une genre juste avant de partir en mission. Allez, c'est Mathieu, il va se passer quelque chose sur la Mother Base, c'est obligé. The boss is back. Let's go refuel and load up on artillery. We're good to go, chief. What's the matter? Mm.
qu'elle fait là? Ah, la fameuse séquence. What? Olé. What the fuck, you freak? Give me a hand. Ça va, elle les a pas tués. Hold her still. Moi, je suis sûr que c'est le soldat qui est en tort. Dismissed. Payback for how they treated her doesn't explain the others. She had every chance to kill them. Tighten security on her cell. This happens a second time, there won't be a third. Il a un petit nez pointu au slot, c'est un truc de ouf. Doute à mon ADN, connard. Unit dispatched. Pourquoi t'as fait ça? Est-ce que ça a détruit notre amitié? Apparemment, oui. Elle me boude. Ta bouche. Pourquoi ils mettent ça en marqueur de mission principale? Ah, plateforme de soutien, c'est la seule où j'ai pas besoin de carburant. Pas go. Commencing platform construction. Bon, alors, ce qu'on va faire. Ok. Est-ce que tu es content de ton entraînement? Apparemment non. Il a pas l'air super content, pourtant c'était un bel entraînement. Thank you.
parles ou tu meurs. Belle mentalité, les gars, belle mentalité. Moi, je comprends qu'elle ait décidé de leur péter la gueule. Hein. Je comprends tout à fait. Hein. Putain, A+ en médecine. Ah oui, mais je suis con. Sur une base de médecine. Des fois, je suis un peu. Je réfléchis pas beaucoup. Viens, personnalisons D-Dog. Non. C'est pas un chien, ça. C'est marrant, comme ça, on dirait un renard. Hein? Non, je préfère avec l'œil artificiel. À quelle couleur? Ah, en blanc, il est trop classe, on dirait un loup. Oh. Bah, ouf. 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 Bon, j'ai arrêté de faire chien. C'est bien, une unité médicale qui peine un petit peu à suivre le rythme des autres. Deux minutes, on va attendre. Maintenant que j'ai des minions. Oh, échec, merde. Je peux améliorer mon Jayst. Je kiffe le Jayst. Est-ce que j'ai des armes non létales à améliorer? Que j'utilise parce que le Renov par exemple. Bon, canon haute précision, j'en ai déjà un. Augmentation de la puissance d'arrêt. Bon, après j'ai le M2000 quoi. Genre, 3 fois plus puissant. Non, on va mettre mobilité plus, sonar actif plus, hydroïde. Une infiltration et bim, 68 000. Voilà, bam, tout mon million que je me suis rajouté. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. Mission accepted. Heading to Central Africa. You have been the one. You have been the one for me. Pourquoi j'ai du sang? Alors que j'ai un... Ah non, mais je suis pas allé prendre ma douche du coup. Un peu de journée, parce qu'on a fait une mission de nuit là, j'alterne. Je vais aussi revendre des métaux précieux, histoire d'avoir genre à peu près 200 000. Pourquoi? Au cas où je trouve des containers. Voilà, parce que être dans le rouge, c'est vraiment pénalisant. Hier, j'étais dans le rouge quelques temps et j'ai eu pas mal de mecs à l'infirmerie. Enfin, quand je jouais tout seul. Je regarde pas l'écran, hein, on sait jamais, des spoilers, attention. C'est bon. Non, c'est pas le personnel, c'est ressources. En vendre. Voilà. Ça doit être un peu large.
ton voilà, je difficulté, je l'ai pas quoi. Ouais, on va mettre Oh là là. Oh qu'il est bien. Ah, j'ai pas regardé si je pouvais reprendre Coyote du coup. Peut-être qu'elle est puis. Ok. Genre c'est la 25e mission. C'est bizarre que je nous le dise que maintenant. Les chacals encore. Je les ai déjà capturés. Enfin j'en ai déjà capturé, c'est rien que je les capture. Ça rapporte pas assez d'argent pour... Ça rembourse à peine l'extraction du truc en fait. En tout cas niveau clipping, l'Afrique, il y en a pas mal hein, parce qu'il n'y a pas les montagnes pour cacher tout ça et là... Ah oui c'est vrai que c'est des gosses. Attendez, c'est une blague? Il y a que deux soldats? Personne ne surveille les conteneurs. Putain, si on bouge la visée pendant qu'il y a le réarmement de l'arme, elle est tellement sensible qu'elle fout le camp. Je l'ai touché ou j'ai touché le toit? Je pense que j'ai touché le toit. Oh! Ce putain de tir que je viens de te mettre. Oh! Le mec, il avait sa tête qui dépassait. J'ai fait la fléchette, elle a fait... Elle passe à ça du toit et... Non, je veux pas rentrer dedans. Sérieusement... Oh, 7500, c'est beau. Il y a moyen de faire attirer le... Ah, mais c'est un gosse encore. Non, mais je vais pas aller faire l'aller-retour au... Ok, changement de plan. Select a drop supplies requested. On va prendre une bagnole et on va se barrer en bagnole. Vehicle drop complete. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Oh, elle commence à mal tourner cette scène.
raté. J'arrive pas à tirer, ça me saoule. Elle est où la cible? Another child soldier has entered the village. Must have been out on patrol. Looks like they had more than one patrol out. Security will be tighter now. Watch yourself. Général. T'inquiète, je prends juste ton frère. Please select a land support helicopter requested. C'est assez facile comme mission. Attendez. Non, 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 je sors pas de la haute zone. Des hyènes. T'inquiète, c'était avec grand plaisir. Allez, maintenant je peux demander à l'hélico. On va faire quelques missions secondaires pour finir l'épisode. Il y en a qui commencent à se relever. Quoique non, c'était celui que j'ai laissé éveiller en fait, je suis en train de me dire. Parce qu'une dose comme ça pour un gosse... Et ça, je le récupère, ça peut toujours être utile. En même temps, c'est la mienne, donc... En fait, je sais pas si je me barre sans les récupérer, je les récupère ou pas, en fait. Enfin, j'ai récupéré des hyènes, c'est trop bien. J'adore les hyènes. Soyez prêts.
Faites-moi confiance, votre récompense, vous l'aurez quand viendra le grand jour. C'est la chanson de Scar Yen dans Le Roi Lion. C'est quand même dommage qu'il n'y ait pas de fauve. J'aurais trop aimé croiser un lion, quoi. Là, t'es... Wouah ! Même si je pense qu'à la frontière Angola-Zaïre, il y a peut-être... Ah, mais c'est pas des yens, c'est des lycaons. What ? On aurait dit une hyène. Je vais voir ce que c'est un lycaon, je connais pas. Boss, about how we report this one to the client. I'll tell them we took heavy resistance from the Renegade platoon and the hostage was killed in the firefight. Also, their leader wouldn't let himself be taken alive. I doubt the client will pay us. C'est des loups en fait. Rien à voir avec les hyènes. And as for the number two, he's saying he wants to join Diamond Dogs. I guess he knows what that means for him. He said, if I'm working for you, I can be number two or number 200 for all I care. Ah ouais, c'est en critique d'extinction. Ah d'accord, un de ses noms, c'est Chien Yen. Plateforme de quarantaine. Ah, gaz somnifère, ça on va développer, ça peut être super utile. Boss, we have an emergency. Many of our staff are falling ill. At first it seemed like a common cold, but before we knew it, blisters started popping up on their chests and... Damn it. I'll fill you in at the ACC. Just get in the chopper. Voilà, qu'est-ce qui se passe, mon petit Ocelot? J'aime pas ça. Pour le moment, chaque mission a une cinématique après, c'est trop cool. Those are the symptoms of the infection on Mother Base. The blisters on the body were full of tiny worms. Parasite larvae, most likely. But we couldn't find any adults. It doesn't seem to mature in the body, like a sparganum. We don't know the root of infection, or what causes symptoms to develop. Boss, you remember seeing these symptoms before? The bodies floating around in the oil facility, the bedridden test subjects at the Devil's House. This epidemic looks just like what we've seen on our hunt for Cypher. So this is the weapon of mass destruction Cypher was working on in Africa. Boss, the situation is urgent. We need to quarantine the infected and contain the pathogen. Priority now is to prevent more casualties. But the problem is, how do we tell who's infected? During the incubation period, we have no way of knowing who's clean. C'est bien compliqué là. You'll have to try and guess who's infected before they go symptomatic and quarantine them. That'd be easy if we just knew the route or vector of the infection. From now on, if you even suspect a staff member's infected, use your iDroid to order them into quarantine. Given the situation, the men won't submit to quarantine just because I or the medical team tell them to. But they will listen to you. Of course, it's just a temporary measure until we find a permanent solution. But at least they'd be in solitary isolation so they won't infect each other and we get the mental care they need. If we do nothing, we'll only lose more people. We have no choice. Boss, open your iDroid. I'll explain how to quarantine staff members suspected of infection. Caution. Go to the mother base menu and select staff management. First, take a look at the quarantine facility we've set up. Putain, c'était bon mec, hein. We'll isolate anyone who's already symptomatic at the quarantine facility. But we have to expect that there are multiple staff who are infected, but asymptomatic. So how do we identify them? At present, we have no way to tell them apart. But there has to be something for us to go on. If you notice anything, reassign staff you suspect are infected to the quarantine facility. We'll monitor them and then contact you if there's a change in their condition. Correctly quarantining these asymptomatic infected will reduce the number of new infections. You should continue with your missions as usual.
If Cypher is behind this, going after them should help us determine the root cause of this epidemic. Also, until we identify the pathogen, we can't fire or dispatch any staff. We cannot let this thing spread. Boss, get to the bottom of this fast. We're counting on you. Okay. Boss, a new job's come in. It's a hit. I'm a human trafficker who sent Shivani and the others to Nzoya Badiabulu, where you ran into Skullface. The thing is, this guy might know something about the disease that's going around Mother Base. Please, the symptoms are similar to the ones we saw at that factory. Start by checking the mission details on your iDroid. Ah, putain. Please specify a project. J'aurais bien envie d'améliorer le can. C'est quoi ça? Ah oui, je l'ai utilisé ça. J'ai utilisé une fois en mission, je l'ai récupéré. Donc. Bon. L'équipe de sécurité est pas terrible par rapport aux autres. Faites-moi confiance, votre récompense. Putain, par contre, les autres unités. J'aurais peut-être dû tout monter à 3 au lieu avant de faire monter une unité, un truc à 4. Ça aurait été le plus judicieux. Parce que là, métal courant, je suis un peu en rade. Ok, la zone est immense, donc la mission va durer super longtemps. Donc ça sera dans le prochain épisode. Là, on va faire des missions secondaires. Ce que je peux faire, je pense. Sécuriser les plans. Est-ce que capteur IR... Infrarouge, non. Dispositif anti-vol. Ok, on va faire ça. Comme ça, on va faire ces trois missions là. Tac, tac. Enfin, on verra bien. Selon le temps que ça prend. Non, je peux bien récupérer Croyette. Bon, je vais... Non, mais je dis dog, c'est bien. Ouais, vivement le prochain épisode, mais entre temps je vais manger. Je dis ça parce que franchement... franchement quoi. Ça craint un peu. Parce que toutes mes... une de mes sources de revenus, c'est envoyer les mecs à l'étranger. Bon là, en l'occurrence maintenant, j'ai pas une équipe assez puissante, donc je vais arrêter un peu de faire ça. Parce que je prends trop de risques à envoyer des mecs qui ont pas la puissance, ils risquent de crever, alors que c'est des bons soldats. Donc je vais attendre d'avoir des soldats de rang S avant de continuer, ou je ferai que les missions de rang E, mais ça rapporte 20 000. Ça rapporte des ressources aussi. Donc on verra bien. Donc on va poser nos points. Équipe de sécurité améliorée. Ah bah il est sorti de... Il était blindé 5, ça ça m'intéresse. Et le plan de la caméra. Voilà, on va faire ces trois là. Ça durera le temps que ça durera. Je vais juste vérifier que le truc blindé 5, je l'ai pas déjà fait. Fonderie lourde. Non, c'est que des missions que je n'ai pas faites. Okay. Parce que moi, refaire les missions que j'ai déjà faites, ça me prend la tête. 394 mètres, c'est par là. Ah bah c'est celui qu'on a vu en fait, en passant. Récupérer des soldats, je crois que je peux pas le faire. Non. Je peux, mais je peux pas en virer, donc c'est-à-dire que je pourrais plus récupérer de soldats si je suis déjà maximum. Donc c'est pour ça qu'il faut que je m'en débarrasse, parce que là si je vois des soldats en S et que je suis maximum, je suis baisé, je peux pas les récupérer en fait. Du coup, ce serait une bonne occasion de partir en létal. Deux snipers, t'es sérieux? Ah non, c'est des mecs qui font une roue. Et ben, poum! Le mec se pose une question, et poum. La puissance de l'équipement de ce jeu, quoi. Mais c'est con, moi j'aimerais bien partir en mode tout feu tout flamme, faire des gros assauts, tout ça dans des... Mais tant que ma Bowser Base n'est pas faite à fond, je
Je ne pourrais pas, mais ça, ça sera pour des lives, des trucs comme ça. En let's play, on va jouer vraiment bien. Enfin, bien. Efficace, on va dire. Genre là, c'est le moment où tu interviens. Et tu fais... Oh, encore une ronde. Là aussi, je m'y attendais pas. La précision de cette arme, sérieusement. Je risque de me faire un peu attaquer la gueule. Putain, le nombre d'ennemis qu'il y avait dans cette zone, c'est un truc de ouf. Ils vont être contents de savoir que je les emmène à un endroit où il y a une putain de maladie qui font que tes poumons ils explosent. Ça va forcément les convaincre de nous rejoindre, ça. D'ailleurs, je veux voir, j'ai combien de marge à peu près. Attente. 912 sur... Non. Sous la zone d'attente, assez là-bas. 160. J'ai pas de limite ? Je sais pas. Apparemment, j'ai plus de limite. Donc les plans de caméra, on les récupérera pas dans cet épisode parce que j'aurai pas le temps. Par contre, l'unité blindée, on la fera même si ça dure un peu plus longtemps. Ah, mais c'est bon, je sais ce que c'est, le dispositif anti-vol. C'est bon. C'est un truc de FOB en fait. En gros, je les mets devant un truc que j'ai pas envie que ce soit volé, ça empêche que ce soit volé. Ça tire à chaque fois sur le Fulton en fait, ça déclenche une alerte. On va y arriver. C'est loin. T'es trop beau, mon chien, comme ça. On dirait un berger blanc belge, version loup. YOLO. Non. YOLO. J'ai pas pris de dégâts, c'est cool. Moi je crois que dans ce saut là il y a 40, quoi, 30 mètres de haut. Putain. Wow mec, comment t'as fait ça? Ah, je me trompe de direction du coup, ça m'a perturbé. Arme repérée. Oh, ok, il y a un camp qui est juste à côté. Il faut pas que je me trompe de direction. Ah oui, je suis juste à côté, dites donc. Alors, les ennemis peuvent me voir jusqu'à 120, je crois que c'est 90 mètres si je cours. Ou 120, je sais pas. Mais après, ça dépend tout du camouflage qu'on a, je crois. Même si dans le guide, il parle pas des camouflages. Alors ça se trouve, il y a moyen que les camouflages soient purement esthétiques. Hein. En fait, l'avantage avec Didux, c'est que je peux courir comme ça vers mon objectif. Tant qu'il aboie pas, je sais qu'il a, il repère pas d'ennemis en fait. Le truc, c'est qu'ils sont dans une zone relativement immense. Donc pour tomber dessus,
J'entends les moteurs. Ah, ils sont là. Merde, j'ai raté. Anti-sniper, mon cul. J'ai deux tanks. Il voit les mecs s'endormir, ça c'est pas mon problème. Oh putain. Je m'attendais pas à ça. Il va falloir que je rendorme parce que là ça risque de poser problème. Merde. On chie avec leur putain de casque. Oh oh. Toi et moi, ma gueule. Toi et moi. Feinte. Et ouais. Non. Putain de soldat, j'aurais dû les neutraliser. J'étais con. J'ai mal joué. Prochaine mission, mission principale. Ah, le let's play qui va me faire que tous mes soldats meurent. C'est pas cool. Maintenant, faut que je m'approche du premier tank sans me faire repérer, qu'à partir de ce tank-là, j'endorme les deux autres soldats et que je m'approche du deuxième tank. Tant que eux, ils voient pas les autres dormir, c'est bon. Dès qu'ils les voient dormir, ça fout le bordel. Oh merde, il y a dans ma direction, j'avais pas vu. Tant qu'il me regarde, j'aime pas trop ça. À cette distance, il est pas trop dangereux, ça va. Je suis à pied, je me déplace plus vite que sa tourelle, je pense. Je crois qu'il m'a perdu en plus. J'ai un mortier au cas où, mais faut que je le récupère. Quoique je suis pas sûr qu'il m'ait perdu. Il m'a perdu. Il est en train de bluffer. En plus c'est pas un tank, c'est un blindé avec un canon de tank. Pas pareil. Parce que ça a pas des chenilles.
Faut pas me perdre, moi, tu sais, mon bébé. Hein. Sinon, ça se passe mal pour toi. Allez, faut que j'appelle un hélicoptère, on rigole pas. Putain, ça coûte cher. J'ai plus le choix là, faut que je la fasse. Donc je vais retourner à l'hélicoptère et je vais lancer la mission parce que là je perds énormément de soldats. C'est la R&D où je suis passé de 40 à 37? T'es sérieux? Ah non, je suis à 41. 87 en... Bah après j'ai plus de 1500 mecs, hein, mais quand même. Moi tant que c'est pas les très très bons, ça me va, mais s'ils sont condamnés à mourir... j'aime pas trop ça, quoi. Je vais regarder un peu les qualités de ceux qui sont malades, mais s'il y a des mecs genre avec des rangs S ou quoi, ça me ferait bien chier. Sauf si on peut les guérir. Eh. Il y a un mec qui est grave bien et ouais, c'est pas super, il y a des bons mecs. Hein. Je suis un peu... Niveau gestion, j'aurais pu faire mieux là. J'aurais dû arrêter l'épisode et faire direct la mission pour être en quarantaine les mecs et après il n'y a plus personne qui soit malade. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour la suite du Let's Play dans laquelle on va enfin sauver nos hommes. Récompense. Ok. J'ai bug des cassettes. Allez, salut à tous.